Bon, ben, j'ai une autre forme avec un Gully King. Excusez-moi, ça prend un peu plus de temps parce que je suis en train de charger une vidéo sur YouTube, là. Ben, je vois que ça prend vraiment plus long que si j'étais chez moi. Fait que je ferai plus ça. Je ferai ça à la maison à l'avenir. Une autre fois, Mega Gully King. Je vais faire le contraire aujourd'hui. Je vais commencer par... je vais juste en avant de la mairie, puis m'en aller vers le Vieux-Belleuil, puis remonter jusqu'à la rue du Pré. Ça donne une minute, là. Ok, si je peux mettre un Pokémon. Bon, ok. Depuis vient de tomber, moi je pensais qu'elle allait faire un nuageux. Il commence à pleuvoir. Donc, oh, une minute, je sais pas. Donc, voilà. Okay. Pourquoi qu'il est quitté? Là, je dois tout recommencer, sinon. Le gars, il est pas intelligent, ça, il attend même pas que j'invite les 5 autres amis. Il est trop con. Tu sais, je veux inviter 10 personnes, j'ai pas le choix d'écouter lorsque le premier entrant arrive. Faut que tu restes, sinon il faut que je recommence à 9. Hein? Je vous l'ai déjà dit assez souvent. Mais vous êtes trop stupide. Vous êtes trop stupide. Vous pensez que je quitte pour le plaisir, que c'est pas pour le plaisir. Pourquoi tu quittes? T'es bien imbécile. Si j'essaie d'inviter 10 personnes, puis toi tu t'en vas. Alison Salomon, là, c'est un cave. C'est un crise de cave. Un Albertin ici qui est même pas capable de savoir ce que je veux faire.
côté sûr. Bon. T'inquiète pas. Si je t'invite, parce que c'est pour une raison. Non, mais c'est carrément stupide, là. Je pourrais jamais inviter 10 personnes. C'est lui qui quitte tout le temps. Il est con, là. Il est con. S'il voit que je. Tu voyais que je quitte après que le premier soit rentré. C'est pas pour le plaisir, là. Ne quitte pas, là. Je pense que là, il est carrément imbécile, ce gars-là. Là, je suis obligé de recommencer mon petite crise d'épée. Est-ce qu'il est épais, le gars, là, j'en reviens pas. Est-ce qu'il est épais? C'est sûr que s'il quitte avant que je réembarque, ça marche pas. Non, Vincent Salamon, là, c'est un imbécile. Il sait pas qu'est-ce que j'essaie de faire. C'est un Christy d'imbécile. C'est vrai, il est un imbécile. Vous le voyez bien, ça fait 3 fois qu'il quitte. Alors que moi, j'essaie d'inviter 5 autres personnes. On peut en inviter 10, c'est juste qu'il comprend pas que le hôte doit quitter la reine. Doit quitter la reine une fois qu'un invité qui rentre pour justement laisser la chance. Je vais l'inviter après, le monstre imbécile. J'espère qu'il va le regarder, il va le réviser tantôt. Et puis je suis obligé de rembarquer par la suite. Mais si tu sors, je ne pourrais pas inviter 10 personnes. Il faut que je recommence à 9 à chaque fois. C'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un avant les 80 secondes restantes. Mais il y en a au moins qui sont alignés et qui voient ce que j'essaie de faire. Non. On est plus dedans, ça veut rien savoir. Seulement, ça ne me sera pas quitter. Si je quitte, parce que c'est pour une raison, parce que je vais inviter 5 autres personnes pour que ça soit 10. C'est sûr et certain que si tu quittes, moi, je dois recommencer à 9. Fortunément que l'invité reste là. Si l'invité ne reste pas là, comment tu veux que j'invite 10 personnes au lieu de 5? Seigneur, c'est même plus avantageux d'avoir 10 invités que ça manque 5, parce que qu'est-ce qu'il me dit que je vais en avoir 3 invités? Il n'y a pas besoin qu'il peut me le dire. T'sais, alors que là, j'ai plus de chance d'avoir une salle de 6 que plutôt d'avoir une salle de 3, de 4, par chance. Mais là, les autres viennent pas, là, c'est parce que genre, c'est un peu de ta faute, là. T'sais, j'invite des gens, mais toi, tu restes pas. Excuse-moi, c'est un peu de ta faute, là. C'est un peu de ta faute, c'est pas la mienne, c'est de ta faute. Parce que les autres gens qui ont eu les invitations, ben les autres, ça s'annule. Dès que le premier invité embarque, parce que dès que le premier invité embarque, mais tu sors avant que l'autre revienne dans l'arène, pour inviter 5 autres personnes pour que ça en fasse un total de 10, ben là, c'est tout à recommencer parce que les autres joueurs qui ont une invitation vont s'annuler et voudraient essayer d'embarquer. Ils ne peuvent pas parce qu'il y a une erreur. Pourquoi qu'il y a une erreur? Parce que tu as quitté. Que t'as quitté la salle. C'est ça l'astuce. Si tu comprends pas l'astuce, t'es un esti d'épais. Je m'excuse, t'es un esti d'épais, mon. D'Almun, c'est Salamun, quelque chose dans ce genre-là, là. Qui vient d'Alberta, franchement. Franchement.
T'es pas trop hot comme joueur. Bon, ça veut dire que ma vidéo a fini de charger. Déjà, on se joue avec quelqu'un pour une deuxième fois, mais. Écoute, il n'y a personne qui rentre. Bon. Là, Elias, lui, il sait que, lui, qu'est-ce que je vais faire. Il sait qu'est-ce que je vais faire. Oh boy, ok. Lui, il sait qu'est-ce que je fais. Lui, il n'est pas fou, Elias, il sait qu'est-ce que je fais. Il sait qu'est-ce que je fais, je suis intelligent. Lui, il est intelligent, il est wise. C'est un wise guy, lui, là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Zaz, c'est quoi qu'il fout? Non, mais qu'est-ce qu'il fout, Yoshi? Hey, là, sérieux, là, comment le monde, là? Seigneur, vous faites dur, là, comme ami. Bon, c'est pas grave, au moins, on est trois, c'est ça qui est important. Ah, c'est vrai. J'ai oublié. Ah, Seigneur, j'ai pas le temps de le. J'ai pas le temps de checker mes affaires. Seigneur, que j'ai oublié. J'ai oublié. Excusez-moi, j'ai oublié. Désolé, tout le monde. Excuse-moi, j'ai oublié de restarter mes Pokémon.
sont éliminés. Yoshi vient de manquer une quantité en or. C'est pas pour quitter comme ça demain. Yo, hello le monde, réveillez-vous là. Hey, c'est un Pokémon de type proche qui est assis. C'est la même histoire avec Genesect l'an passé avec Kaya. Ça vraiment là. Sérieux, le monde, faites dur. Quand il y a qui sait pas genre que le type assis puis le type proche, ok, il y a une double faiblesse sur combat puis sol. Hey, vous niaisez-vous? Hey, vous niaisez un homme de 32 ans, ça, c'est bol. Ah, j'ai marché par 11 km hier, Robin, plutôt, c'est beaucoup ça. Bon, prochaine fois. Ah oui, go. Non mais sérieux, c'est vrai là. C'est vrai, écoutez la commande là. Hey. Hey, c'est possible de battre à 3 joueurs, là, puis il y a 50 secondes restantes là. Écoutez, on est tous de niveau 40, là, sérieux, là. Faites dur. Faites carrément dur. Moi, je vous dis, vous êtes des joueurs qui faites pitié. Carrément. Faites vraiment pitié. À deux joueurs, limite, peut-être. Non, je pense pas. À moins d'être niveau 45 et 2, puis avoir des Pokémon quand même ultra forts de niveau 50, là, peut-être que ça marcherait à deux. À trois, ça marche. Ah, merci la chose. On va essayer ça. Et voilà. Un beau petit pinto. Ok. Quand même 300 mégagèmes, c'est nice. C'est big nice. Bon, maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Ok, ça, c'est Reno Yoga que j'ai éjecté hier. Oh, là, ok. Attendez une minute. Juste aller voir. Attends, il y a une vue pour ma vidéo, ok, c'est nice. J'avais peur qu'il s'en aille à Yoshi. Ben Yoshi, hello. Wow! Vous êtes une bonne gang de fieux. Hey boy. Pour Galeking, wow! Et en plus de ça, c'est le Pokémon. Est avantagé par l'autre type. Seigneur, c'est fois 1.5 dégâts de plus, ça fait fois 6. Bonac, le Seigneur, là. Come on, le monde. Non, c'est pas vrai, c'est quand c'est l'attaque. C'est l'attaque du Pokémon. Pokémon, c'est vrai. En fond, on a 6 fois des dégâts, si, avec des types seuls, là. Si tu attaques avec une attaque de type ça, si ton propre type est avantagé par rapport à l'autre. Ouais. Je me souviens d'avoir éjecté hier, là. Bon. Ok, ça ici, mes cheveux t-shirt, 3 heures. Ok. Ça fait pas longtemps. Ils sont là. Ah, c'est lui qui m'a éjecté. C'est lui qui m'a éjecté. Non, c'est vrai. Moi, j'étais pas là. Donc, t'as skippé pour l'instant. Donc, Mega Galeking deux fois aujourd'hui. Mais Yoshi, oh yo, hein, il y a exactement quand on a vu qu'on était trois. Hey, vous me faites rire le monde là. Sérieux.
moi, je m'excuse, mais moi, je trouve ça insultant. Je trouve ça très insultant. OK? Il y a des joueurs qui escaquent quand on est juste trois joueurs pour jouer Mega Galekin. Hey! Écoute, de type roche et de type sol, on a juste besoin d'étudier des Pokémon de type combat et sol. Et étudier des attaques de type sol et ou combat, ben les deux. Puis on enchaîne avec 4 troupes de dégâts. C'est parce que sa double faiblesse, c'est combat et sol pour l'acier et la roche. On s'entend-tu que le type sol, ça défonce la roche? Le type combat, bing, bang, boum, mais s'il est trop ça aussi. Bon. Bon. J'ai une autre équipe des bleus dans le fond, là. Ouais. Dans le fond, ce que lui balaye. Donc, c'est ça. Donc, si j'ai quelque chose à dire, c'est ça. Le Monseigneur, vous me faites rire, là. Écoute, là. Hey! Pas capable de jouer à trop là-dessus. Je m'excuse, avec 3 niveau 40, on est capable de le faire. Je l'ai fait deux fois, puis il y en a un qui escape. C'est Yoshi. Voyons. Un joueur qui se nomme de même Yoshi. Je veux dire que j'ai oublié de régénérer mes Pokémon, là. Ça a failli me jouer un petit vilain tour, mais non, pas de problème. Non, pas de problème avec ça. Fait que le monde, la prochaine fois que vous voyez du Kalsa et que vous voyez qu'il reste dans la salle, alors on est trop droit, ça veut dire que c'est possible de vaincre l'adversaire. Hey, je viens d'inviter 10 personnes, vous voyez comment que je le fais. Diamond, Sailor, notre genre là. C'est sûr que c'est une première entrée, ça sort pas. Parce que sinon, je ne peux pas inviter 10 personnes, ça, c'est tout à recommencer. Parce que tous ceux que j'ai invités, les 14 personnes que j'ai invitées avec toi lors du premier groupe, ben, ça va s'annuler automatique. Ça va faire une erreur sur leur jeu. Une chance que Case Oz était là, au moins. Bon, c'est ça, tout le monde, on se rejoindra tantôt pour la suite. Faut que je m'en mette au sol de baseball. Est-ce qu'il y a de l'espace ici? Oui. C'est bon. Bon, ben, Chamallow disparaît de cette arène-là. Je pourrais le conquérir cette fois-ci. Aujourd'hui. C'était mon plan. Avec Noctour qui est là. Puis j'ai vu. Donc on a une autre équipe des bœufs ici, mais Noctour est là aussi, fait que. Ça va être l'un des deux aujourd'hui. Je vais éjecter quand même, puis j'ai vu, il est là aussi. Ah non, il s'est fait éjecter. Non, je ne peux pas déjecter. Okay, non. Parce que ces deux-là sont aussi là. Donc, est-ce que j'ai de la place ici, là? Oui, il y a de la place. Bon, je peux mettre un Pokémon là, yes.
Mais là, l'affaire, c'est qu'aujourd'hui, il y a mes trois Pokémon ben, que j'avais dans mes arènes, il y en a deux qui ont été éjectés. Donc, j'ai juste reçu 50 pièces. C'était hier que j'ai eu. Fait que le 8h est passé, donc j'ai pas 100 pièces, malheureusement. On va me compter de 100 pièces ou de 150. Voici. Pour 50 pièces, c'est déjà acquis. Voilà. Comme que vous voyez, j'ai mis deux Pokémon aujourd'hui. Donc, n'hésitez aucun aujourd'hui. Je viens d'obtenir mon 50 pièces, s'il vous plaît. OK. Maintenant, on va éjecter tous ces joueurs-là. On a les 50 pièces gratuites avec moi aujourd'hui. Et moi, c'est toujours mon Lucario favori. Et la Latios qui vient agrémenter le party. Go! Allez, petit guidou. 52 garanties pour ces joueurs-là. Fait que je peux juste éjecter ces 6 joueurs-là. Si jamais, parmi ces 6 joueurs-là, ben, je les recroise ailleurs, ben, je les éjecterai pas parce que sinon, ils ne pourront pas obtenir 50 pièces le lendemain pour le autre Pokémon. Vu que c'est 50 Poképistes qu'on peut obtenir par jour, chaque joueur. Fait que si on en éjecte 2 dans la même journée, puis ça fait plus de 8 heures qu'ils sont là. J'obtiendrai pas 100 pièces, c'est 50 tout court. J'ai juste mon infinite qui n'est pas pété, fait que je suis pas obligé d'aller au centre de du conseil, là. Mm-hmm. Bon, c'est parti. Bye bye. Bon, il reste mon gogo de Galar. Il y a des petits bouquets qui tombent, fait que c'est juste nuageux en ce moment, fait que c'est correct. Je pense pas qu'il va pleuvoir. Et voilà, c'est terminé. Arène conquis. Ah, c'est vrai, il faut que je le batte une deuxième fois. Bon, allons-y. Je sais qu'il est dans deux autres arènes, dont un qui est embarqué. Je pense. Bon voilà, l'arène continue maintenant. Ces 6 joueurs-là auront 60 pièces garanties. Et je les éjecterai pas si jamais je les recroise ailleurs. C'est un cours d'accord des jaunes qui se trouve là-bas. Fait que c'est sûr et certain que... Pourquoi que tantôt, quand j'ai joué Mega Kicking la première fois, j'ai pas été éjecté l'autre joueur parce que c'est lui qui est là, avec un autre Pokémon. Puis ça fait 18 heures qu'il est là-bas, tandis que lui, ça fait une journée. Fait que si j'éjecte les deux, ben... Je vais juste avoir 50 pièces, il y aura pas un autre 50 pièces le lendemain avec moi, comprenez-vous. Là, ça fait plus d'une journée, fait que là, on est correct ici. Donc, ça va être la prochaine arène à attaquer, pour moi. Fait que sur ça, on se reviendra pour ça tantôt. Bon, on arrive bientôt à la dernière arène que je vais attaquer de la journée. Parce que pour l'autre, je me suis pas fait encore éjecter. Mon acné ne s'est pas fait éjecter encore, fait que... Ces petits guidons.
pain dessus. Voilà. Un beau petit tour tartan. Ça serait du fun un jour si j'en prenais un comme un petit, ça serait vraiment beau. Oh. Voilà. Voilà. Ça fait un petit peu. Mais si les petits coups de théâtre, ça c'est pas grave. Après ça, j'ai fini de toute façon. J'ai fini mes tranches de vidéo pour la zone dite Richelieu vers le Vieux-Beloeil, mais à l'envers. Donc, tout simple pour moi, après ça, je m'en tourner chez moi, là, c'est tout. Ouais. Ça sera pas un bain, non. C'est 4 de dégâts. Hein, parce qu'on pense que c'est des tirs de ténèbres, mais le coup de faiblesse sur le combat. Les ténèbres, c'est proche. Et c'est comme Galeking à acier puis roche, hein? Puis il y en a qui ne veulent pas jouer à 3 joueurs. Oui. Yoshi vient de manquer une opportunité en or là. Ça, c'est clair. Je te dis, vous ne devrez pas vous inquiéter pour ça, là. Moi, j'aimerais ça que vous me fassiez confiance pour les raids parce que je connais chaque fois des Pokémon. Je connais aussi leurs avantages. Dans le contexte actuel, fait que c'est pour ça que je le mets. Bon, c'est ça, j'aimerais dire que vous me fassiez un petit peu confiance là-dessus parce que écoutez. Comment ça que tu as une arène là? Ah non, ok, ça c'est la mairie, ok. Je parle là-bas. Mais non, la fenêtre qui est toujours là. Ouais. C'est ça. Bon. C'est ça, j'aimerais que vous fassiez un peu confiance pour les raids de niveau 5. Si je vous dis que genre qu'on peut réussir à 3 joueurs, c'est parce que c'est possible. Comme vous avez vu, j'ai essayé d'inviter 10 personnes, mais il y en a juste 3 qui font. Il y en a juste 2 qui ont embarqué sur les 10 que j'ai invités. Et là, je me suis dit, ok, mais. Les gars, les King, c'est quoi comme titre? Fait que Galeking, c'est quoi? Il y a le type assis puis le type proche. Il me semble que c'est un automatisme. Ça devrait être un automatisme dans votre tête. Si vous savez genre que le type convoi est avantagé contre le type assis et le type proche. Et que le type sol est avantagé de la même façon. Que le type fuit est fait par rapport à ça, mais ça c'est juste le double dégâts. Vu qu'il y a encore le type proche. Ça fait juste fois 1.5, je pense. Je pense que ça fait des dégâts normaux, mais je pense que c'est pas. Je pense que c'est davantage sur le type. J'ai oublié de faire le détour. Non, ça me calme.
petite patinoire Saint-Mathieu, mais on n'est même pas à Saint-Mathieu, on est à Belleuil ici. Québec, Québec, Québec. Oui, patinoire Saint-Mathieu. Je sais pas pourquoi ils l'ont donné Saint-Mathieu. En tout cas, je sais pas. Ça sonne comme ça. Oh. Parce que juste à côté, on était à Saint-Mathieu de Belleuil. En fait, ce masque-là, il est de l'autre côté de l'avant, fait que c'est ça. Puis, en allant sur la rue de Montpilon, en allant à droite ou à gauche, juste à droite du côté de Paro, dans le fond, là, que je travaillais avant. Écoutez, c'est comme l'an dernier. L'an dernier, je me souviens, j'avais joué Genesec. OK. Ben, en fait, je voulais inviter des gens pour Genesec. Je savais qu'on pouvait réussir quand même à 3 heures. J'étais confiant qu'on pouvait le faire. Même à 4. Personne ne voulait le battre à 4. Je veux dire qu'on était tous au niveau 40. Ah, tiens! Un 9 en suspens. C'est qui va sortir cette fois-ci? Encore Carablas? Ah, ben, c'est un vrai niveau. C'est le fun, ça. Un beau petit vin de bois avec 10 super bonbons. Wow! Non. Et un beau petit œuf. Qui vient de la France. OK. Bon, OK. Je ne sais plus, c'est quoi qu'il y a comme type? Lui, de type acier. Bien sec. Bon, si on réfléchit bien comme il faut, bon, le petit passé, il est fait contre ce combat avec le sol, mais contre ce feu, il y a une double faiblesse. Donc, ça veut dire qu'on utilise une boutique de feu qu'on enseigne avec ici. C'est vraiment efficient, là, je te dis, c'est super efficace dans ce temps-là. On va utiliser la bonne équipe. Des bons Pokémon qui sont avantagés sur quel type de Pokémon. Là, Yoshi qui a pas voulu rester, jusqu'à on aurait été 4, ça aurait été bien le fun. Mais vous manquez tout le temps les opportunités avec moi quand vous faites ça. Hey, deux fois que j'ai joué aujourd'hui Mega Galiking, deux fois trois joueurs, on l'a battu. On était tous de niveau 40. Et pensez-y, là, si vous voyez que vous avez si vous voyez affronter un Pokémon qui a une double faiblesse sur un autre, ben, lui, il va enchaîner avec les 4 dégâts. Au lieu de x2. Je pense qu'il y a aussi un taux de 1.5 si le Pokémon est avantagé par rapport à l'autre. Fait que ça fait x3. Un Pokémon qui n'est pas avantagé, mais qui utilise une attaque qui a une double faiblesse sur un Pokémon qui a une double faiblesse, ça fait x4. Pensez-y, Seigneur, vous avez plus de facilité avec des réductions de niveau 5, là. S'entends-tu? Si vous avez bien vu, c'est largement facile, là, à 3 joueurs. À la limite, à 2 jours, ça devrait être possible.
mais à condition que vos Pokémon soient quand même à un niveau assez élevé, là. Soit assez fort, qu'ils des attaques très puissantes de 150, 150 à la shot là, pour les attaques chargées. Là. Vous avez des attaques peut-être de 15, de 20, des attaques avec des attaques normales, là, des attaques immédiates. Vous pensez juste si, ça, si par exemple, je sais pas moi, l'attaque tunnel fait 80. Ok, c'est une attaque de type sol. Ok, il y a 180 de dégâts. Ok, contre Galekin, qui a une double faiblesse sur le type sol. On a déjà 4 dégâts, puis en plus, il est de type sol. Donc, disons, 6 fois les dégâts, ça fait combien? 480 une shot. Fait que, 480 dégâts d'une shot, c'est déjà pas mal. 320 encore mieux. On fait déjà 320 dégâts en partant. Puis on s'entend plus qu'on le sait éliminer plus rapidement que si un Pokémon qu'on apprend qui est fait par rapport à notre Pokémon, il y a juste une faiblesse, une double faiblesse. On double les dégâts, donc 3-4 et 2. Je crois qu'il y a des uns qui sont pas allumés pantoute. Oh, gueule. Ah, je t'avais d'arriver au niveau 46, ça sera pas long. Bon, je vais juste voir quelque chose. Ah oui, je suis devenu meilleur ami avec lui. Ah, je ne savais pas ça. Ok. Regardez Destiny Salamon. Oh non, c'est Manitoba. Je pensais qu'il venait de l'Alberta. Non, il vient de Winnipeg. Excusez-moi, c'est mon erreur à moi tantôt. Un gars de Winnipeg. Il ne me reste même pas le temps d'inviter 5 autres personnes pour que j'en invite 10. Pour être sûr et certain qu'on va être en masse dans la salle. Je sais que je fais cette astuce-là parce que j'ai pas le choix, tu sais. Je vais inviter un maximum de personnes pour qu'on soit sûr de gagner le raid à 5 étoiles. Ben, là ce qu'on invite le premier groupe de 5 invités. OK. Ben, le premier invité qui embarque, là, doit impérativement quitter l'arène. Puis revenir. Mais si le premier invité quitte avant que je revienne, pour que je puisse inviter 5 autres personnes par la suite, ben là, c'est tout à recommencer. Puis les 4 autres personnes que j'ai invitées, ben, verront plus l'invitation. Puis s'ils veulent rentrer, ils vont avoir un code d'erreur dessus. Ben pourquoi? Parce que vous avez quitté la salle avant même que je revienne. Une chance qu'il y avait Ace Oz, parce que lui, il sait ce que je fais. Puis, vous avez vu le résultat? J'ai dit de l'inviter Destiny Salamon juste après. Et voilà, on a pu jouer à la raid, mais Yoshi est embarqué juste avant. Ça a commencé par faire les choses de quittage. Pourquoi? C'est pas vous le boss de la reine, c'est moi. C'est moi qui les invite. Vous pouvez pas inviter des gens dans mon arène, parce que c'est moi qui vous invite. Vous êtes invité à un raid qui se trouve peut-être à l'autre bout du monde. Autrement dit, moi, c'est seulement moi qui peux vous inviter parce que moi, je suis devant l'arène avec une passe gratuite. C'est ma tâche à moi d'inviter le maximum de personnes possible pour qu'on puisse avoir plus de facilité à vaincre le raid, mais si après 10 personnes, on est juste 3, ben on doit 3. Puis surtout que là, je te reste confiance, là, ben là, on est tous au niveau 40. Tu sais, puis on bosse pas comme méga Galekin. OK, Galekin, acier, roche. Double faiblesse, le type combat, puis sol. C'est au simple comme bonjour.
hein, on utilise une team de type sub de combat. On attaque avec des. On attaque avec des attaques de type combat et de type sol. Puis quand il y a des Pokémon qui sont inventariés, utilisent ces attaques-là, ça fait 1.5 de plus, ça donne 3 des dégâts. Bon, là, à un moment donné, là. À un moment donné, faites le calcul comme du monde. C'est une attaque de 80 va faire 480. Une attaque de 150 va faire 700. Hey! Mais non, excusez-moi, 800. 800 d'un coup, 800. Si bien sûr, l'attaque est de type sol ou de type. De type combat, puis c'est un Pokémon de type combat qui est avantagé. C'est un attaque de bah, c'est ça. En fond, si le type d'attaque que vous utilisez, il a du même type que votre Pokémon, c'est fois 1.5 de dégâts. Lorsque c'est super efficace. Puis, en plus de ça, vu que l'attaque est. Ça va être 2 fois plus puissante vu qu'elle est avantagée, donc ça fait 3 fois les dégâts. Tu sais, quand c'est double faiblesse, c'est x6, sinon x4. Ah, tiens, il veut m'inviter pour Katagami. Ok. Ah ouais, petit Guido, tu veux jouer? Tu veux jouer? Ok, on va jouer. Let's go! Moi, je suis un joueur à faire, vous pouvez vous fier sur moi quand je viens dans vos arènes ici. Quand je sais qu'on peut se battre à 4 contre un. Dans un raid de 5 étoiles, ça veut dire que c'est possible de le battre à 4. Katagami, je pense qu'à 2 joueurs, on pourrait être capable de le battre. Mais il faudrait que je l'essaye pour. À 3 joueurs, c'est possible, je suis certain. À 4, Seigneur, écoutez. Là, on s'entend aussi qu'à 4 joueurs, là, Seigneur, on défonce ça à 6. On va défoncer ça bien plus, ça, c'est sûr. Attendons, les amis. On finit ça en 60 secondes. Go! Non, je pense que ça va aller plus en 70 secondes. Oh, mon caca n'était pas si fou que ça. Ben on l'a battu à 65 secondes. Petit Guidou. Merveilleux. Oh, 9 super bonbons. Waouh. Ah oui, j'ai lancé 16. 8 attaques chargées. Waouh, 54 km. Oh boy. Ça, c'est beaucoup, ça. Il a beaucoup marché, cette personne-là. Bon, une troisième mention de suite aujourd'hui. Katagami et 5. Oh boy, en plus il est boosté à 2000. Oh! Oh mon dieu! Oh boy, c'est rien. Ça veut dire qu'il doit faire full show à quelque part. Non. Je sais pas. Thank you.
vérifier avec la panne. Parvenir à capturer ce Pokémon-là. Je ne sais pas qui en plus, là. À cause de cette plante, puis quand c'est ensoleillé, puisque je l'ai combattu. Moi, en ce moment, c'est nuageux. Chez moi. En étant nuageux, ben, les types combats, ici, puis. Je ne sais plus, type fée, sont boostés. Par la météo. Par ce genre de météo. Un brouillard ici, ça n'y arrivera jamais. Parce qu'on a toujours des températures changeantes ici. Nous, on a les quatre saisons. Et dans la baleine, non. Pour les types tennis, ça n'y arrivera jamais. Sauf si le type feu, sauf s'il y a un double de tir avec le type feu, là. Il va avoir peur quand il sera très ensoleillé, plus de chance. Sinon, le type ténèbre, il a peur de retrouver. Ils ne seront jamais boostés dans leur fond, jamais. Alors, j'en ai en masse, allez, go. Ah ouais, s'il te plaît, reste dans la Hero Ball. Reste dans la. Mais non, il est pas. 5 fois qu'il me reste. Oh. Allez, reste. S'il te plaît, reste. Reste, s'il te plaît. Reste, reste, reste. Oups. Qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de gaspiller mes robots, ça marche pas. Oh, il y a ça, il y a une pièce. J'espère que ce Pokémon-là va être payant. Je l'espère. Quand même. Même pas. Ah, de la Floride. Voilà pourquoi. Ça vient de la Floride. Il fait tout en chaud là-bas. À l'année. Mais bon, on va le garder. Il faudrait que je m'achète d'autres passes à distance. J'en ai deux. Payer 300 alors que je peux payer 280 et puis j'ai un incubateur en bonus. Bon, je m'en fous plus des Pokémon, mais j'ai un incubateur en bonus à Way Go. Allons-y pour 3 passes d'arrêt à distance. C'est vidéo. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour les rêves. Il n'y a pas de problème à ça. C'est un peu dommage que Beedle Wolf, qui était mon droit le plus fiable, qui venait tout le temps à toutes mes rênes, ait décidé de tout d'un coup de me bumper. Il s'arrête à 815, on va voir pourquoi il l'a fait aussi. Ça, je ne la comprends pas celle-là. Même si ça fait une semaine que je n'ai pas rejoué, c'est pas une raison. Mais... moi, je t'indiquais pour mes rêves, justement, parce que j'ai besoin d'aide. Tout le monde a besoin d'aide pour les rêves.
sais, je pense que Bulova, quand il a vu peut-être que genre que je jouais pas, ben il a peut-être dit genre que je jouais plus inactif, mais non, toujours réactif, c'est juste que des excuses que ça n'a pas donné, que je pouvais pas. Ben, écoute, là, je vais au mois de janvier dans la province de Québec, genre à moins de 30, là, c'est pas possible dehors. Donc là, ça, j'ai aucun pocket-stop pour rien qui est à proximité de chez moi, à moins de 80 mètres de chez moi. Il faut que je me déplace pour. C'est ce que je fais en ce moment. Un deuxième grand bol aujourd'hui. Ah ben. Oh boy. Comme que je vous disais. C'est nuageux chez nous. C'est moins. Tandis que en fleurs, on peut être ensoleillé. Donc, il y a une plante, du sol. Puis, j'essaie de me rappeler l'autre petit département. Ah, tiens, c'est enfui, il est hâté, quoi. En plus, c'est un 2252. Oh, yeah. Hein? En tout cas, vous pouvez compter sur moi lorsque je viens dans vos arènes. Si je sais qu'on peut se battre à 4, je vais rester, mais si quelqu'un quitte, si on est capable de le faire à 3 joueurs, je reste aussi. C'est vrai que quand on est gagné, on peut le faire facilement à 4 joueurs. À 3 joueurs, c'est possible. Comme pour Megagali King. Mais la différence entre ces deux-là, c'est parce qu'ils n'ont pas de double FPS. Mais quand on est gagné, c'est un Pokémon, mais King. Ça, à l'heure de pointe, c'est ça chez nous. À cette heure-là. Tout le monde a fini de travailler à 4 heures, parce que tout le monde retourne chez eux. En plus, ils ferment de chauffer, fait que. Comme à 17 heures, fait que genre, tout le monde commence à. Fait qu'il m'a fallu s'en aller. Encore Grimble. Oh, là, c'est pas Grimble, là, c'est Snubble. Oh, un excellent lancé, il faut pas y prendre tout ça. Ah ouais, go capture. Okay. Des fois, ça doit faire, des fois, c'est balayé. Et ça, c'est moi qui ai suggéré ce Pokéstop-là en décembre dernier. J'espère qu'ils vont faire de même pour le Tigrillon. Ça fait 3 fois que j'essaie, mais j'ai pas eu de réponse. Donc, probablement que ça se fera pas. Bon, ben, ça sera tout pour aujourd'hui. On saura peut-être demain ou après-demain, on verra, là, ça va dépendre de la condition de mon pied parce que là, il commence à être pas mal craqué, là, fait que là, il faut que je me repose avec ça. On saura peut-être dans 2 ou 3 jours pour voir ce qui se passe dans le vieux balai. Fait que sur ça, bonne soirée.